Le marché Atwater est construit en 1932 aux abords du canal de la Chine, alors le cœur de l'industrie et des échanges commerciaux à Montréal. Le secteur est densément peuplé d'ouvriers qui travaillent dans les nombreuses usines et manufactures de la ville, le tramway permettant désormais de se déplacer facilement d'un quartier à l'autre. Depuis le début du siècle, et plus particulièrement pendant la crise des années 30, plusieurs programmes gouvernementaux subventionnent de grands projets de construction de bâtiments publics permettant l'embauche d'un grand nombre de travailleurs afin de réduire le chômage. Ces programmes permettent la construction notamment des chalets des Parcs Laurier et du Mont-Royal, le marché Saint-Jacques et le marché Atwater. Construit selon les plans de Luger et Paul-Marie Lemieux, architectes de nombreux bâtiments emblématiques du quartier, tels que la caserne 23 à Saint-Henri et les églises Saint-Zotique et Saint-Irénée, le marché arbore des caractéristiques propres au style art déco et à l'architecture des années 30. On y remarque l'utilisation de symétrie, de longues verticalités, l'agencement typique des fenêtres, ainsi que l'iconique tour à réservoir, ornée d'une horloge au cadran hautement décoré. Au troisième étage, on y retrouvait une vaste salle pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes. Des hommes politiques tels que Maurice Duplessis et Camillien Houde y ont tenu plusieurs assemblées. Des nombreuses activités de loisirs, des expositions ainsi que des matchs de lutte y sont régulièrement organisés. C'est en 1982 que le gymnase Gadebois s'installe dans la grande salle nouvellement restaurée au-dessus du marché. Des gymnastes de tout âge, en apprentissage ou en route vers les Olympiques, s'y entraînent. En 2002, un feu endommage de façon importante une partie du gymnase. Des travaux sont effectués rapidement et les gymnastes devraient intégrer leur lieu d'entraînement dès 2003. Lieu de rencontre, lieu d'échange, lieu de partage, la vocation perdure et le marché demeure un emblème important du quartier et permet à ses habitants, et ceux d'ailleurs, d'avoir accès à des produits frais et de qualité. Il est le seul marché demeuré ouvert, sans interruption, depuis son ouverture, il y a près de 90 ans.